Pour vous, Vatican II, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais absolument pas. Je sais pas. Alors, c'est pas le nouveau site internet, il me semble. C'est avec les adresses AAA, non? C'est pas ça? Ah, je suis désolée, mais je connais pas du tout. Le Concile Vatican II évoque beaucoup de choses hein, pour nous, chrétiens d'Afrique, chercheurs et enseignants d'Afrique. Ça, j'ai une deuxième idée, parce qu'on en a parlé. C'est une histoire d'un pape, c'est avant Jean-Paul II, alors à la date, après, je sais pas très bien. Qui a réformé l'Église, il me semble, avec l'arrêt des messes en latin et l'ouverture sur les autres religions, il me semble qu'il y a quelque chose avec un concile avec les orthodoxes. Ouais, j'ai vu la vidéo. Alors pour moi, c'est la fin de la messe en latin. C'est la seule chose que je sais du Vatican II. C'est d'abord une rupture, j'allais dire méthodologique, pour ce qui est de l'évangélisation de notre continent. C'est également, si vous voulez, des réformes qui seront très bénéficiaires aux églises d'Afrique. Pour moi, c'est une réforme de l'église catholique dans les années 50. Le pape, je ne sais plus comment il s'appelle, et il me semble que c'est pour c'est la messe en latin, et puis il y a eu un changement dans les statuts par rapport aux prêtres ou de quelque chose comme ça, non? Alors, Vatican II, c'était il y a 50 ans. Et très souvent, on pense que l'église catholique est incapable de bouger. L'Église catholique, c'est une grosse institution mondiale, une très grosse organisation qui est en même temps très hiérarchique avec les évêques, les prêtres. Et là, on s'est rendu compte il y a 50 ans que parce que le chef de l'Église disait « on va bouger les choses », il avait les moyens de les faire bouger, il pouvait réunir les 2500 évêques du monde entier et de fait, des choses qu'on n'aurait jamais pu voir bouger ont bougé d'une manière étonnante. D'abord, ça dure plusieurs années, hein. c'est convoqué en 59, ça ouvre en 62, ça se termine à la fin de l'année 65. Donc toute la séquence du moment où c'est convoqué au moment où ça se termine, ça fait 7 ans. Donc vous voyez, c'est presque une période plus qu'un événement. Et puis ça brasse beaucoup de monde, puisqu'il y a à peu près 2500 pairs, autant de théologiens, d'experts, de conseillers de toutes sortes. Donc c'est évidemment difficile de définir ça en trois mots, mais globalement, je dirais, en sociologue ou en historien, c'est un concile de modernisation du catholicisme et d'adaptation au monde contemporain tel qu'il était perçu par les représentants du catholicisme ouest-européen et nord-américain essentiellement. Je dirais que Vatican II a été souvent saisi par des polémiques. Polémiques autour de la liturgie, polémiques autour de la liberté religieuse. Et pour moi, Vatican II n'est pas d'abord une polémique. Donc j'inviterai à aller au-delà de la polémique pour voir ce qu'il y a vraiment dedans, à la fois du point de vue de son contenu, donc lire les textes, il y a vraiment des choses assez extraordinaires qui parlent de Dieu. Donc si vous voulez avancer sur votre chemin vers Dieu, allez voir Vatican II. Et puis il y a des éléments qui ne sont pas dans les textes de Vatican II, qui sont autour de l'événement Vatican II. J'entendais tout à l'heure une bande annonce de RFI International de l'époque qui disait « c'est un des événements principaux du XXe siècle ». Si vous vous intéressez au XXe siècle et à l'histoire de la civilisation occidentale et mondiale, je pense qu'on ne peut pas faire le détour de l'événement Vatican II. Alors après, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ça a changé énormément de choses. Il est certain, on peut dire, je pense, que le catholicisme de 1965 ressemble moins à celui de 1959 que celui de 1959 à celui de Pie IX, par exemple, ou des papes du XIXe siècle. Là, il y a vraiment une accélération considérable. La première décision, ça a été de dire eh bien, on va célébrer la messe, les prières, dans la langue que les peuples connaissent, et notamment dans ces pays où l'évangile avait été annoncé, en Afrique, en Asie, et ça a été un changement auquel personne n'avait pensé. Le domaine où les changements sont les plus palpables, c'est la liturgie pour le peuple chrétien ordinaire, qui n'est pas très au fait des discussions techniques de théologiens. Là, ben, tout le monde sait bien un peu ce que ça a changé. La liturgie est passée dans les langues vernaculaires, donc en l'occurrence au français, la messe a eu lieu face au peuple. Il y a eu un rapport à l'écriture complètement différent, on a entendu bien davantage l'écriture. Les prêtres ont abandonné leur soutane. Donc je dirais, même visuellement, l'aspect extérieur du catholicisme et sa façon de le vivre au quotidien, enfin, en tout cas à travers la messe dominicale, il y a des changements très profonds. Un autre changement, le fait qu'on puisse inviter tous les chrétiens à lire la Bible eux-mêmes, personnellement, on pensait que c'était réservé aux protestants. Bien tout d'un coup, il a fallu un peu de travail, on a récupéré tout un travail
qui avait été fait dans l'histoire par les théologiens, par les baptisés, de par le monde, et quelque chose qui paraissait tellement bizarre dans l'Église que les chrétiens aient le droit de lire personnellement la Bible, c'est devenu comme une évidence. Puis il y a des changements, je dirais, de portée plus, plus théologique, dans le, par exemple, dans l'engagement résolu de l'Église catholique dans le mouvement œcuménique, qui lui préexistait. Elle regardait tout ça un peu avec méfiance jusqu'à présent, en restant un peu en périphérie, et elle rejoint le mouvement à la faveur du Concile. Ça change profondément ses relations au judaïsme aussi, où on rompt définitivement avec ce qu'on a pu appeler l'enseignement du mépris. C'est un rapport complètement différent au judaïsme qui va s'inventer dans les décennies suivantes. C'est une formidable occasion d'espérance que de se rappeler, que l'Église est capable de changer très vite, hein, tout en restant tout ce qu'elle a toujours été. Je pense qu'aujourd'hui, comme le monde change extrêmement vite, votre génération peut avoir le sentiment que tout est à faire à partir de rien. Et donc, à la fois c'est magnifique, parce que c'est plein de créativité, mais parfois c'est angoissant. On se dit, mais on ne pourra pas, c'est pas possible. Donc un anniversaire, c'est l'occasion de mesurer ce qu'on doit à une génération qui nous a précédés. Donc, pour moi, c'est très important que les étudiants actuels soient capables de gratitude. Beaucoup d'étudiants considèrent bien que c'est un événement qui est très loin dans le passé et ne se rendent pas compte que ça a tellement marqué le dernier demi-siècle. Donc, nous sommes une université catholique. Permettre une réflexion d'histoire sur l'Église catholique, aller chercher, c'est fondamental. Donc on a voulu que pendant ce mois d'octobre 2012, il y ait une première amorce qui donne le goût aux étudiants d'aller ouvrir des livres, d'aller lire, je l'espère, les textes du Concile Vatican II. Nous avons créé un blog qui permet de savoir dans quel coin de la France pendant toute cette année de la foi vont être donnés des événements d'approfondissement sur Vatican II. Mais j'espère qu'ils pourront lire certains textes, j'espère qu'ils pourront discuter avec les profs.